Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voici la réouverture de Disneyland Paris. Donc je suis encore à l'hôtel à l'heure où je vous parle les amis. Parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde et que vous n'allez pas m'entendre là-bas. Bien évidemment, aujourd'hui, une journée de fou malade. Vous allez voir, il y a plein de nouvelles choses. Ça va être vraiment des moments vraiment magnifiques. C'est parti, je vais vous expliquer certaines choses après le générique. Donc vous allez voir plein de petites nouveautés, vous allez voir le parc vraiment magnifique, repeint à neuf, bien sûr le château bâché, bien évidemment vous allez voir, moi j'ai été hier, donc du coup vous avez eu la vidéo mercredi, pour votre santé j'ai vite fait faire un petit tour dans le grand parc, et c'est vrai que c'était un petit, ça a vraiment fait vraiment bizarre, vous allez voir, ça fait vraiment bizarre les amis. Bien sûr, tout plein de choses. C'est ma réouverture officielle de Disneyland Paris, les amis. Donc, c'est parti. Donc, les amis, je viens tout d'arriver à Disney. Donc, au parc, je suis devant le grand parc, comme vous voyez. On va passer le passeport. On se doit, bien évidemment, les amis. Donc, je commence réellement. J'ai pas l'habitude de commencer les vidéos maintenant, comme vous le savez. Mais je sais que dès l'entrée, vous allez voir, il y a des choses déjà trop bien avec les casques, tout ça, voilà. J'ai hâte de découvrir tout ça, moi ça sera vraiment ma réouverture à moi. Donc les amis, pour la réouverture 2021 de Max The Vlog, c'est parti! Alors les amis, petit point important, tout nouveau, les batteries rechargeables, vous en avez partout, enfin partout, à certains points dans le parc, bien sûr, je vais vous faire visiter un petit point de coupe tout à l'heure, c'est vraiment génial. Let's go, let's go, let's roll. Et voilà les amis, la musique de la réouverture, je vous fais vraiment écouter. Alors écoutez, hop. Voilà. Donc comme je dis, voilà la musique les amis de la réouverture du parc. La musique que je vous ai bien sûr postée sur la chaîne YouTube. Ça vous fait énormément plaisir de l'entendre. C'est vrai que ça donne autre chose que d'être sur YouTube comme on a pu entendre. Ça me fait énormément plaisir. Bien évidemment. Il y a énormément de choses ici, donc c'est parti, je vais vous faire tout ça, vous allez voir, ça va être génial. C'est vrai les amis, comme je vous ai dit, moi je suis venu déjà hier, donc j'ai vu le château, c'est vrai que ça m'a fait un petit choc quand même. Je vais vous montrer bien correctement sur cette vidéo, donc c'est parti.
les amis, première attraction de la journée, donc toujours avec Famille Delpy qui se trouve juste derrière, et bien sûr, Max Valpic. On va faire bien sûr, comme vous le savez, la transition BTM, donc c'est parti. Je viens tout juste de sortir de BTM, ça fait énormément du bien, ça faisait tellement longtemps les amis que j'attendais ça. J'ai un truc de fou. Bon, on va aller voir Pirate maintenant. Je vais essayer de vous faire quelques petites séquences de Pirate, histoire de vous mettre un peu dans le thème de cette vidéo, de l'ouverture du parc. C'est vrai que vraiment, ça fait vraiment du bien de voir tout ça, de revoir tout ça même d'ailleurs. Donc oui, je vous avais pas dit, mais la réouverture va se faire en deux parties. Donc là vous allez avoir le grand parc et très prochainement je vous ferai une vidéo sur le studio de la réouverture. Je n'ai pas encore été là-bas, à part pour faire Cars et vraiment tracer. Donc voilà, donc c'est parti les amis pour Pirate. Hey, bonjour à tous. Bonjour les amis, Mike, c'est Max, c'est moi. On se retrouve pour une vidéo de la team Magic Live. Vous allez être sur YouTube quand même, hein. Donc les amis, je viens tout juste de sortir de Pirate. Alors il faut savoir qu'ici il y a quasiment toutes les attractions qui ont été refaites, que ce soit en technique ou en peinture, enfin voilà. Et ici à Pirate, ça a été à la partie technique. Donc c'est vrai qu'ils ont refait un petit peu, ils ont tout réglé apparemment en animatronique, vous savez, aux gestes et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que, il y a Max qui joue derrière, et c'est vrai que c'est vachement bien. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus coordonné. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment plus, même les peintures, ils ont été refaites sur certains endroits. Donc bien sûr, on continue. J'ai vu qu'il y avait les casques qui étaient au début du parc, à l'entrée du parc. On va aller faire un petit tour, sinon on ira sur Buzz, voilà. Ah oui, alors les amis, j'avais complètement oublié de vous dire, alors vous avez plus de points de photos avec les personnages que ce que vous avez vu précédemment, donc je vous ferai réellement une photo spéciale personnage à Disneyland Paris, les points shoot, tout ce que vous pouvez voir en termes de personnages sur une prochaine vidéo. Là, je vais vous en montrer quelques-uns durant la journée, mais pas beaucoup. Hein, je vous dis sincèrement, on va faire beaucoup plus découvrir le parc, faire les attractions. Donc bah, je vous laisse découvrir, alors on va à Buzz, mais vous avez déjà vu la vidéo sur... Enfin, vous allez avoir la vidéo sur la chaîne, donc voilà, je vous garde la surprise. Donc c'est vrai que les amis, ça fait vraiment du bien d'être là.
J'ai été ému ce matin quand j'ai vu vraiment tout ça, le château, ma suite. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous filmer, mais c'est vrai que j'étais très très ému ce matin. Ça fait vraiment du bien en plus avec cette musique là, le château comme vous venez de voir. C'est vraiment fabuleux de pouvoir revenir ici sur le parc. Bon, bien sûr, vous allez avoir plein de vidéos. On continue, maintenant on va aller manger, je vous montre ce que j'ai pris. Vous allez voir, on va aller Hyperion. C'est parti. Bon, vous venez de voir un petit happening que vous connaissez déjà les amis avec Mickey et ses amis, mais il y avait Stitch ce coup-ci. J'ai pas vu beaucoup, donc ça fait réellement plaisir. Je vais essayer de vous filmer voilà tous les happenings qu'il va y avoir tout au long de la journée ici au Grand Parc. Donc j'espère que la vidéo vous plaît les amis. Nous on continue notre petite journée au parc. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte ni fenêtre. Par où sortir ?
Ah. Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Les amis, hein, comme vous venez voir, Phantom Manor, toujours indémodable, hein. Toujours le kiff total. C'est vrai que je passe vraiment très bel après-midi, en plus, comme vous pouvez voir, il y a le soleil aujourd'hui, donc ouais, c'est vraiment, vraiment trop bien. Vraiment, ça fait vraiment du bien, je vous redis depuis le début de la vidéo, je sais, mais ça fait vraiment du bien de vraiment de revivre des moments magiques ici, surtout avec premier DLP, Mac Valpy, qui est là aujourd'hui. Vous aurez, je pense, un autre vlog vers le mois de juin avec Seth Rodrims. Et bien sûr, j'espère d'autres membres de l'équipe, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est trop, ça fait vraiment du bien, en fin de compte, d'être ici. Vraiment, alors, je vous mets pas tout, hein, vraiment, je vous filme pas toutes les séquences. Parce que sinon, il y en aurait pendant des heures de vidéos. Donc, mais je voulais vraiment filmer les bonnes séquences. C'est vraiment génial, vraiment terrible, en fait. Quel bonheur d'être là aujourd'hui. Tout beau, ce beau soleil, c'est vraiment génial en fait. Les amis, voilà, c'est la fin de cette magnifique journée, la fin de cette vidéo bien évidemment aussi. Pour ma part, je dois rentrer chez moi. J'ai fait vraiment de belles rencontres de la Magic Live, Maxime, Mac Valpic et famille DLP. J'espère on va bien sûr se revoir bien évidemment. Merci encore à eux, j'ai vraiment passé une journée vraiment formidable. Voilà, on se quitte encore une fois avec, alors il est où, il est où, voilà, ce fan magnifique château, hop, voilà, on va y arriver, voilà, ce magnifique château, les amis. J'espère que ça vous a plu, voilà, c'était ma réouverture officielle. Vous allez avoir donc plusieurs vidéos qui vont arriver, donc Buzz, vous allez avoir la deuxième partie de la réouverture, donc au studio, et plein d'autres encore. Vous allez voir, je vais vous faire tous les mythes aussi qu'il y a ici, que vous pouvez faire, vous en avez filmé quelques-uns. Voilà, voilà, très gros programme. Des vidéos d'apprentissage aussi où je vais vous raconter un petit peu l'histoire des restaurants et tout ce qui s'en suit, voilà. Enfin, plein de belles choses sur la chaîne à venir maintenant, ça y est, c'est fait, le parc est ouvert. Je suis très 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 heureux. Du coup, moi les amis, je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas d'aller voir d'autres vidéos qui sont là juste là sur le côté. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, va t'abonner. C'est très important pour nous. Et surtout, active la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications et être alerté de toutes nos vidéos.